tried to connect you. So he would be ready. Are you ready as well? Yeah. Okay. Hello, you're now connected to André Boschberg. Hello, André? Oui, Patrick. Comment vas-tu? Écoute, ça va vraiment bien. Je suis en train de faire mon dernier vol, l'avant-dernier vol de ce tour du monde. Alors écoute, je touche du bois parce que, comme tu sais, c'est fini quand c'est fini. Hein. Mais bon, ces deux jours ont été extraordinaires. Et puis ça m'a... Tu sais, quand tu finis que tu es en train de terminer quelque chose, comme ça tu penses à tout ce qui s'est passé. Et bien sûr, j'ai pensé au début du projet. Et c'est pour ça que ça me fait un plaisir particulier de te parler, parce que le début du projet, c'était avec les BFL. Et puis finalement, c'est grâce à les BFL que j'ai rencontré Bertrand. Donc vous avez déjà joué les autres metteurs au départ. Écoute, c'est fantastique. D'abord, je t'ai suivi forcément pendant tout ce voyage. Je t'ai suivi aujourd'hui. Je vois que tu arrives bientôt au Caire. Je sais pas comment ce que tu fais, que tu arrives à résister après tant d'heures. Enfin, ça... Moi, comme neurobiologiste, c'est au-delà de mon entendement. Mais surtout, je vais juste te dire que j'étais extrêmement admiratif. Et quand je pense effectivement au premier jour où on parlait, ça fait bientôt 10 ans, de ce projet, et qu'on faisait les premières études de faisabilité, et qu'on s'est rencontrés, honnêtement, je ne croyais pas que vous arriveriez un jour. Et de voir que vous êtes si près du but, c'est juste fabuleux. Oui, c'est vrai qu'on a fait un long chemin, mais le fait d'avoir pu démarrer avec vous, d'avoir pu réfléchir avec tes équipes, ça a permis de lancer finalement le processus. Bon, c'est clair qu'il a fallu trouver beaucoup de partenaires après, les moyens financiers, mais la dynamique qu'on crée au départ dans ces projets, la petite, c'est pas l'étincelle, parce que l'étincelle c'est Bertrand qui l'avait mise, mais je dirais le premier petit bois qui permet de démarrer le feu, c'est important. Puis je me souviens comme si c'était hier. Hein. Mais ça fait plus que 10 ans, ça fait 14 ans qu'on a démarré l'étude de faisabilité. Donc ça nous rajeunit pas. Et puis j'ai trouvé sympa que t'aies resté 4 ans de plus à l'EPFL pour être sûr que tu puisses nous voir finir le projet. C'est vrai, écoute, ça fait, pour moi, c'est une des plus belles façons de partir dans ces grands projets d'école dans lesquels on s'était lancé. Et forcément, ça, c'est le plus incroyable, inimaginable. Il y a des gens comme toi et Bertrand pour vraiment arriver à montrer et à faire. C'est une chose de penser un projet, vous l'avez. Je suis ravi qu'on ait pu, à notre petit niveau, vous aider au tout début dans l'étude de faisabilité, mais c'est quand même invraisemblable que toi et puis toute cette équipe qui est autour, quoi. C'est quand même une telle démonstration aussi de la capacité technologique, mais aussi avec l'idée que, enfin, le projet que vous avez développé pour les énergies renouvelables et autres, je trouve que c'est vraiment des plus beaux exemples qu'on puisse donner à notre jeunesse. Et ce que je peux te dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens à l'EPFL qui continuent à vous suivre et qui vous suivent tous les jours, et on est très fiers d'avoir à notre petit niveau pu vous aider à faire ce projet fabuleux. Ah, mais écoute, c'est sympa. Moi, j'ai côtoyé tellement de gens de l'école dans les différents départements. Lors du projet, c'est vrai qu'on était beaucoup plus intensément en interaction au départ, parce qu'il fallait définir un petit peu les chemins de recherche, des chemins de réflexion. Mais j'en ai gardé après. Puis Pascal Villemenet a toujours fait le pont, le lien. Chaque fois qu'il y avait des idées, on venait les partager, on venait les discuter. Donc moi, j'ai gardé le lien avec pas mal de gens. Mais ça me fera de toute façon plaisir d'en voir plusieurs, parce que c'est vrai que c'est des amitiés que tu crées dans des projets comme ça. C'est des relations. C'est le côté humain qui est fantastique. Pour moi, c'est la beauté de l'homme, si tu veux, des projets comme ça. C'est vraiment ce qu'on est capable de faire. C'est de la générosité, c'est de l'engagement, c'est de se donner, c'est d'y croire, c'est de persévérer, c'est de ne pas baisser les bras. C'est des côtés extraordinaires de l'être humain.
Ouais, je pense que c'est quoi? C'est Walt Disney qui disait toujours, c'est « If you can dream it, you can do it ben, ». Vous êtes un bel exemple d'une telle philosophie. Dis-moi, vous arrivez quand? Alors, tu arrives tout à l'heure au Caire? T'as encore combien d'heures de vol? Alors, c'est la tombée de la nuit ici, je vais poser au lever du soleil. Donc, je contourne le Caire, c'est un chemin assez grand, et puis je vais absolument faire les pyramides le matin au lever du soleil. Donc, on va prendre des photos et je poserai après, je pense, une année, c'est une habitude de parler en année, une heure après le lever du soleil. Et puis, je pense, d'ici 2 ou 3 jours, Bertrand va reprendre le flambeau et puis faire le dernier leg jusqu'à Abu Dhabi. Donc, Donc, ça veut bien dire sûr, que pendant t'es quoi, la semaine. partout, hein, mais je sais que t'es. Pardon? Veut dire que vous pensez faire le dernier leg la semaine prochaine? La Oui. météo vous est favorable de ce côté-là? Écoute, je pense, oui. Je pense qu'on va rester 2 ou 3 jours maximum ici au Caire et puis qu'on sera capable de faire le vol. Je pense en fin de semaine prochaine, hein, donc on arrive dimanche, on arrive lundi, on va voir. Mais plus ou moins à ces moments-là, c'est clair, si tu peux te rejoindre à nous, ce serait magnifique. Mais sans ça, on rattrapera ça différemment. Mais t'es bien entendu le bienvenu à chaque étape et surtout à l'arrivée, quoi. Écoute, je vais essayer, mais c'est tellement incroyable. Je vais voir si j'arrive. En tout cas, si j'arrive pas, je serai de cœur avec vous. Mais ce serait effectivement fantastique si j'arrivais, parce que je me rappelle l'avoir vu voler ici, mais de l'arriver, de voir atterrir à Abu Dhabi, à la fin de ce tour, invraisemblable, ce serait effectivement une très belle chose. Mais en tout cas, je voulais juste te dire un immense bravo à toi, mais à Bertrand, puis à toute l'équipe, et puis on est vraiment de cœur avec vous. C'est dernièrement extraordinaire. J'imagine que tu profites de pouvoir faire effectivement non seulement de voler, mais de voler sur les pyramides. Ça doit être quelque chose d'inouï. Et au lever du soleil, ça doit être une des plus belles visions qu'on puisse avoir. Enfin, après ce que tu as fait sur le Pacifique, tu en as tellement vu, j'imagine, mais on se lasse jamais. On se lance jamais exactement, puis c'est le dernier. On essaie toujours bien pondérer entre ne pas prendre de risques, mais quand même de marquer certains moments, parce que c'est après eux qu'on se souvient. Tu sais, c'est marrant cet avion. Bon, si tu le vois à l'atterrissage, le voir voler, c'est génial. Mais c'est vrai qu'en dimension, en caractéristique, il est très proche de ce qu'on avait déterminé ensemble dans l'étude de faisabilité. On est arrivé à 70 mètres, il en a 74, je crois. On était à 2 tonnes, on est un peu plus de 2 tonnes. On avait, avec les différents départements d'école, rêvé, imaginé ce que ça pourrait être avec des simulations, etc., en projetant les technologies dans le futur, etc. Et finalement, ce qu'on fait, c'est très proche de ce qui a été pensé il y a 13-14 ans. Donc, c'est quand même assez génial, hein. En tout cas, écoute, si tu peux venir, c'est magnifique. Et puis, sans ça, ben, on se reverra autrement. On avance aussi avec prochaine génération sans pilote. Alors, ça fera plaisir d'en parler aussi à ce moment-là. Avec grand plaisir. En tout cas, tout de bon, on est avec vous et on se réjouit de fêter ça d'un jour, un jour. Magnifique. Merci beaucoup. Tout le meilleur pour toi et puis à très bientôt. Allez, bon vol, bye bye. Merci. Au revoir Patrick, hein. Très bonne soirée. André? From our